Hey, salut tout le monde, c'est Bouskaman et aujourd'hui on se retrouve putain pour une nouvelle vidéo pour la vente aux enchères numéro 2 sur ce Adventure Fair. Donc je viens de passer le niveau 1. Donc à la première vidéo j'avais fait 19 500 d'XP. Donc là je vais pas pouvoir calculer, je l'avais calculé après la vidéo hein, parce que là je vais pas pouvoir calculer trop ce que je vais vendre. Donc je vous rappelle le principe, enfin. J'avais pas dans l'ambition d'en faire un épisode 2, mais bon là c'est vrai que mon arsenal commençait à être plein. Donc je vais vendre toutes mes armes que j'ai en double. Donc il y aura des armes élites, tout ça. Bon là c'est vrai que je viens de passer le prestige, donc on peut pas trop bien voir ce que j'ai, même moi j'ai un peu de mal. Donc normalement, alors attends, on va revenir là. Alors ça commence avec le M1 The End. Une arme professionnelle que j'ai en double et que je ne me sers jamais parce que le M1 c'est pas mon trip. On a une ARX Steelbit qui fait partie des meilleures ARX, voire la meilleure, que j'ai en double. On a la MK14 des Secretor que je n'utilise pas personnellement. On l'a en 3 fois hein, mais je ne l'utilise pas, j'utilise plus la Eclipse maintenant que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. On a l'IMR Impact. Voilà, la deuxième est là. On a l'IMR Lightway en double aussi. On a une SM1 Speakeasy. Bon, voilà, pour les rageux, voilà. Petite SM1 Speakeasy en double, ça fait plaisir. Donc, je ne pense pas qu'on va battre le record des 19 500 d'XP. Mais bon, arriver sur un petit niveau 10, ça serait pas mal. Donc là, on n'avait rien tout à l'heure. Donc là, on risque d'avoir toujours rien. On a l'Amélie Chicanerie, donc je crois que ça fait partie de l'une des meilleures Amélie, si je ne dis pas de conneries. Voilà, là en double, celle-ci je l'ai eu à la volée, de toute façon j'en ai supprimé pas mal. On a un casque Unit Soutenager, je sais pas comment trop dire, en double. Voilà, après au niveau des vêtements, c'est à peu près tout. Masque de leader du KVA, on l'a en double. La casquette verte, je l'ai en double aussi. Là au niveau des casques c'est bon, donc oui la casquette verte c'est bon. Vous voyez que j'ai débloqué un petit casque retour de flamme, je n'ai acheté aucun supply drop, hein. Je les ai vraiment tous eu en jouant, donc ça sert vraiment à rien d'acheter des supply drops. Il y en a, ils dépensent 150 balles juste pour avoir une putain de balle obsidienne qui au final voilà quoi, ça sert à rien. Au niveau des gants, ah oui, gants d'agent d'Atlas, j'ai en double aussi, et gants cavalerie des marines. Voilà. Au niveau des chaussures, ah oui, exosquelette. J'ai le exo d'espion sentinelle en double. Celui-ci, exo unit aérop sentinelle, que j'ai actuellement équipé parce que c'est le même que ma carte de visite et que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le logo est vraiment stylé. Je l'ai en triple. Hein. Donc voilà, ça fait plaisir. On a le exo grenadier des marines en double aussi. Lunettes, on l'a en double. Et les lunettes offshoot, on les a en triple. Voilà. Donc je pense que ça annonce du lourd. Donc c'est parti, on va tout vendre et on va voir combien de niveaux on passe. Donc allez, hop, c'est parti. Déjà un petit niveau 1, ça fait plaisir. Comme ça, je vais débloquer, voilà, impulsion furtive. Donc la première page, c'était tout. Ensuite, la TC Crator, on va la vendre en 2 fois, du coup, vu qu'on l'a en triple. Voilà, autant se faire plaisir. Je pense qu'on peut monter sur un petit niveau 10, voire 15. Je calculerai, je mettrai dans le titre de la vidéo le nombre d'XP que j'ai eu, bon, voilà, parce que ça me fait un peu chier juste de calculer sur l'instant. Voilà, tout simplement. La Steelbit, bon. Ça me fait un peu mal au cœur de la supprimer, mais bon, voilà. Je vais tester la CRX, je ferai sûrement un épisode dessus. Hop. Tac. Bon, 500 d'XP, c'est pas le top. Mais bon, c'est toujours ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On débloque le vulcan. Je joue pas trop avec les killstreaks en général. Et donc là, normalement, voilà, il manque juste l'impact. Ouais, je pense qu'on peut monter facilement 10-11. La Reckless, je sais pas pourquoi je la vire pas, mais je le ferai pas parce que c'est ma première ACM1 et voilà. La Speakeasy, ah là là, on la vire. C'est tellement beau hein, une Speakeasy en double comme ça. Ça en ferait rager plus d'un. Bon, malheureusement, moi j'ai pas eu de balle 27 obsidienne en or.
enfin en or, en double. J'ai jamais eu la balle de Singapour, hein. Sauf sur PS4 je crois, mais je l'ai supprimé, c'était au tout début du jeu. Et, je ne savais pas trop à quoi ça servait les armes comme ça en fait au début, genre je savais pas du tout. Donc du coup, voilà. Alors je continue. J'ai rien en double ici. Rien du tout. Rien non plus. Ça, on supprime. Voilà, en même temps, vous voyez mon inventaire. Tout ce que j'ai. Bon, ça va, j'ai pas mal d'armes et d'accessoires plutôt assez sympathiques. On va peut-être pas atteindre le niveau 10, hein, finalement. J'ai pas tant de trucs à vendre. Après, bon, si l'exo qui rapporte quand même 2000 à chaque fois là et que j'ai en triple, ça peut le faire. Hop. Et aujourd'hui, bon, je vais. Normalement, cette vidéo, je la sors après le débat que j'ai fait avec Boa. Donc, je sais pas si ça vous a plu, j'espère en tout cas. Donc, il y en a d'autres qui seront programmés sur d'autres sujets. Voilà. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et pendant que je fais cette vidéo, parce que j'en ai enregistré deux aujourd'hui, du coup. Black Ops 3, donc il y a le trailer et puis une vidéo d'un grand youtubeur français qui a eu la chance de pouvoir le tester, donc du coup j'ai regardé ça et bon, c'est vrai que ça me fait un peu chier que ça soit futuriste, mais bon, s'ils ont réussi à faire un truc clean, bah, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et bon, c'est chiant. Ouais, non, mais c'est vrai, ça me fait un peu chier quand même que ça soit dans le turfu, mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. Hop. Peut-être que Black Ops 3, ça sera le dernier Call of Duty. Bah, le dernier Black Ops, en fait. Parce que MW3, bah, ça s'est arrêté à MW3. Enfin, Modern Warfare, ça s'est arrêté à MW3. Du coup, on n'a pas passé niveau 10, hein, je crois bien. Je regarde si j'ai pas loupé des trucs. Donc, peut-être que Black Ops 3, finalement, ça serait le dernier de la série. Donc, ça sera un peu dommage. Mais en même temps, je vois pas ce qu'ils peuvent faire après. Si à chaque fois, ils évoluent dans le futur, la prochaine fois Black Ops 4 ça sera genre des robots, je sais pas, enfin je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire après en plus. Là, c'est déjà en 2050. Donc voilà. Tac tac tac. Donc je pense que c'est tout. Je regarde au passage. L'Est Trader est juste horrible. Enfin pour les long shots, ne prenez jamais ça, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de faire un truc avec. Même en rajoutant une poignée avant, là, c'est une horreur. J'ai rien du tout. Je suis un peu blasé, en fait. Il est 2h du mat, et du coup, voilà. Bon, après, le petit largage. Ok, de la merde. Ah, Exo Biohazard. Bon, bah, ça fait plaisir. Bon, bah, la balle 27 marque semaine, machin. Je vais la supprimer. Et du coup, on va sûrement passer niveau 10, parce que... Il me semble que lui, je l'ai en double, l'exo que j'ai gagné à l'instant, voilà. Hop, si c'est pas beau ça, niveau 10. Donc je vais calculer le nombre d'XP que j'aurais gagné. Et du coup, je vous présenterai, enfin je le mettrai dans le titre, le nombre d'XP que j'ai gagné pour voir si j'ai, oui ou non, battu le record. Donc moi, sur ce, j'espère que ce petit épisode 2 de Vente aux Enchères vous aura plu. Peut-être qu'il y aura un épisode 3, qui sait. Donc moi, sur ce, les gens, je vous laisse. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Mario.